Donc, ça faisait un petit moment, ici encore Blue Bulzor. Donc, on va continuer un petit peu Dragon Quest, le cinquième. Donc, maintenant qu'on a une femelle pour la vie, on va aller se diriger vers le port Selmy, parce que Loodman nous a dit d'aller au port Selmy, puis moi et Loodman, j'y fais bien confiance. Donc, le problème avec notre femelle, c'est que quand on va en ville, elle se pousse dans notre partie, puis des gars virils comme Borongo ou Pierre sont décrissés du parti, puis ça, j'aime pas ça. Après tout, les femelles, c'est pas vraiment fait pour se battre. C'est plus fait pour rester en arrière, rester dans le wagon, dans la cuisine, puis des affaires de même. Donc, vu qu'on connaît maintenant la magie Return, on va Return au port Selmy. Ah, je sais pas si je vous l'avais montré, ça fait vraiment longtemps que j'ai joué. Mais on peut retourner au royaume de notre ami Henri, puis y montrer notre propre femelle pour un peu y montrer c'est qui le plus fort entre nous deux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après tout, les femmes trophées, c'est juste à ça qu'elles servent, non? Donc, ce qu'il est déjà. Non, fais-toi-en pas, célibataire, t'es libre. Donc, Lord Henry est quelque part en haut. Je ne peux résister à l'envie d'aller lui montrer ma femelle. Ça, c'est le fils Dale. J'ai déjà le bouclier. J'ai déjà l'épée aussi. Il me manque l'armure. L'armure, si je me souviens bien. Il me manque le casque aussi. Le casque, je sais qu'il est sur une île. Mais on va aller au port Selmy pour observer le reste du continent. Donc, Henri reste avec sa femelle. Puis il se souvient de la bonne vieille époque, c'est qu'on était esclaves. Le steak pourri du samedi. Les coups de fouet du mercredi. Ah, ça c'est la bonne vieille époque. Mais maintenant, ça a changé. Je suis marié. C'est comme si j'étais esclave. Bon, on va se dépêcher. Je pense aussi qu'il y a du changement. Henri a envoyé des gens à Ruraffin pour reconstruire la ville. C'est bien Ruraffin. Non, je pense que c'est Santa Rosa, la ville. En fait, pour obtenir les warps, faut aller revisiter les villes, mais je le ferai pas tout de suite. On va d'abord aller à Port Selmy. Toc, 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 toc. On va aller aux stripteaseuses. Pour obtenir un dialogue spécial. Très intéressant aussi. Donc, on dirait que je suis un saucy dog. Donc, la nuit va avoir de la danse. Malheureusement, on n'est pas encore la nuit. Puis moi, je veux que ça soit la nuit. Fait qu'on va s'organiser pour que ce soit la nuit. On va en profiter pour combattre avec Bianca.
Donc, comme vous voyez, sa place est réellement dans la cuisine. Elle n'est pas encore très puissante. Puis elle ne sera jamais vraiment. Après tout, c'est une femme. Je me souviens plus s'il y avait une magie pour faire passer le temps. Je pense que s'il y en a une, dans les autres Dragon Quest, où on l'a pas encore obtenu. Donc, mortadelle, des belles chouettes. Metal Rider, on peut pas en obtenir pour nous joindre, mais anyway, Pierre va devenir beaucoup plus puissant que n'importe quel Metal Rider. Rogue Armor, je pense qu'on peut en obtenir. Healer aussi. Wow, la nuit est tombée très rapidement. Donc, tout ça pour obtenir une pièce de dialogue intelligente. Wow, ils ont des crises d'épilepsie ou ils dansent? Donc, ici, je pense qu'il faut aller voir Monsieur le regardeur de boobies. Yo. Donc, Bianca nous traite de cochon. Elle a dit que je suis différent. N'est-il pas, mais en fait, Blue Blade est en train de regarder aussi, fait qu'il est pas vraiment différent. Donc, je pense que c'est tout pour le dialogue optionnel, mais par contre, très... pas vraiment optionnel. Parce que si on le prend pas, c'est que on sait pas jouer puis on est un loser. Shit, es-tu en train de prendre un bain, elle? Hello! As-tu besoin de quelqu'un pour te... Ah. Bon, Bianca veut qu'on parte. Bon, ben... Fuck, je pense que j'ai pogné une STD en parlant avec la fille qui était dans le bain. Shit. Tant pis. Je vais mourir en héros. STD, c'est en anglais pour Sexual Transmissible Disease. Y'a rien dans la lighthouse. Donc, je pense qu'il faut attendre la journée, en fait. Donc, le vieil homme qui se masturbait, si vous vous souvenez de l'épisode, je sais plus lequel, où c'est que je disais des conneries complètement pas rapport, mais qui finalement est assez drôle, comme le fait que le vieil homme... bon, ok. Je sais plus lequel épisode, mais... Je disais 2-3 choses épiques dedans, là. Merci. Bon, c'est le grand jour. Bye bye tout le monde. Allons dans ce bateau 2 fois plus petit que nous. Oui, c'est moi. Fuck you. Bon, il veut que j'arrête à la taverne. Je suis déjà allé faire du XX à la taverne. Donc, nouveau thème. Ben, enfin, on l'a déjà entendu, je pense. Donc, j'ai ma map. Ça fait très longtemps que j'ai joué, donc j'ai aucune idée où ce que tout est situé. Mais en gros, on a une bonne partie du continent qui nous est ouverte. Fait que, on va commencer par aller observer tout ce beau continent-là. Light Boy, j'ai déjà affronté ces faibles-là, ouais. Hmm.
Ah, mais est-ce que c'est Santa Rosa? Non, c'est Alcapa. Je suis déjà venu ici, non? Je sais plus trop, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais je sais qu'ici, il y a un gars qui connaît tout sur les équipements légendaires. On est venu ici, me semble. Mon dieu, mon let's play devient inconsistant. Donc, anyway, on va se voir dans la prochaine vidéo pendant qu'on s'en va faire l'amour tendrement dans les fleurs. Donc, Borongo, je m'excuse, mais ma femelle est à moi. Tu peux aller copuler avec la vieille femme là-bas. De toute façon, elle a l'air vieille et laite, elle doit être desséchée. Son mari, je suis pas mal sûr, il se tape une plus jeune. Fait que c'est ça, on s'en va faire l'amour tendrement et follement. À la prochaine, tout le monde. Oui, c'est bon. Ah, ah, oui. Ah, ah, ah. 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 Non, il n'y a pas d'option pour faire l'amour. Cherche les vêtements. Tiens. Bye.